Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 19 février 2019. Dans l'actualité, ce soir, les vacances de février battent leur plein avec près de 14 millions de nuitées en Savoie-Mont-Blanc. Elles sont le temps fort de la saison pour les stations. Cette semaine, immersion au Grand Bornand pour notre série de la semaine. Premier épisode ce soir avec les premiers virages des tout-petits. Nous irons ensuite à Genève où un important chantier vient de s'achever, celui du Grand Théâtre. Coût de l'opération, 72 millions de francs suisses. Jean-Paul Crespi nous emmènera pour une petite visite à la fin de ce journal. Mais avant, il y a de l'ambiance entre l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes de Laurent Wauquiez. Cette fois-ci, c'est le chantier du Lyon-Turin qui cristallise les tensions, du moins son financement. Nous vous en parlions hier dans le JT. Étienne Blanc, vice-président à la région, a annoncé avec fierté avoir négocié auprès de l'Union européenne le financement de la moitié du chantier, tunnel de base et voie d'accès comprise. Il estimait pouvoir ainsi accélérer la construction de la nouvelle voie ferrée entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. Une information démentie ce mardi par le ministère des Transports. Dans un communiqué, il dément formellement toute décision nouvelle de la Commission européenne concernant le financement du projet. La construction de la voie d'accès entre Lyon et le tunnel de base, dont le budget initial est de 7,7 milliards d'euros, serait ramené à 4 milliards. Ce n'est pas prévu par le gouvernement avant 2030. Dans son communiqué, le ministère des Transports s'étonne donc, je cite, de la prise de position isolée exprimée par le Conseil régional. Dans l'après-midi, la région s'est elle-même étonnée du démenti du ministère et a confirmé ce financement à 50% par l'Europe des voies d'accès. On attend donc le prochain rebondissement. Et puis une nouvelle avalanche dans les Alpes. Ça s'est passé cet après-midi, en début d'après-midi. La coulée a eu lieu dans la station valaisanne de Crans-Montana. Plusieurs personnes ont été emportées sur une piste de la station suisse sur le secteur de la Plaine Morte. C'est ce qu'a annoncé la police du canton du Valais. Les secours sont sur place et les recherches se poursuivent. 4 personnes ont déjà été extraites. On ne connaît pas leur état de santé à l'heure où je vous parle. Une dizaine de skieurs seraient encore ensevelis. Il est rare qu'une avalanche de cette ampleur atteigne une piste balisée. Le risque était de 2 sur 5. On parle d'un sujet plus léger, on prend le soleil pour notre série de la semaine. Toute la semaine, à l'occasion des congés scolaires, nous vous proposons une petite immersion en station. Sébastien Germain s'est rendu au Grand Bornand pour rencontrer les vacanciers et les acteurs qui font vivre le cœur du village des Aravis. Pour ce premier épisode, rencontre avec les souris de l'école internationale de ski. Ce sont les skieurs débutants. Reportage. Dernière glissade pour Marcel, Jules et leurs petits camarades. La petite troupe emmenée par Jérôme, leur moniteur de l'école internationale de ski du Grand Bornand, est gâtée pour cet ultime jour de stage. En plus du grand ciel bleu, le soleil est de la partie. Ces enfants, âgés entre 4 et 5 ans, peuvent donc pleinement profiter du domaine des Aravis. Allez, on part en fusée, c'est parti. En fait, pour les petits cours débutants, on est limité à 5, donc plus d'attention pour les groupes et puis on va plus rapidement sur les pistes, donc c'est plus facile pour nous. Il faut avoir déjà créé une confiance entre les enfants et toi. Et puis après, ben justement, si on arrive après à les envoûter pour les emmener sur la piste et pour leur dire, ben voilà, il y a une progression, on va aller sur les pistes vertes, on va aller sur les pistes bleues, on va progresser là-bas, et ben voilà, ça les motive et puis voilà, c'est une grosse envie de la part des enfants, quoi. Durant une semaine, ces skieurs en culotte courte ont donc appris les bases rudimentaires de la pratique du ski, comme le chasse-neige ou encore les grands virages, et à les voir évoluer sur les pistes avec une certaine dextérité. On se dit que l'essentiel est là. On ne peut pas rêver mieux, en fait, les enfants sont super fun, sont super fans du ski, et tu les emmènes partout, ils sont toujours à l'écoute, ils sont toujours fans du moniteur ou du ski, et ils ont vraiment envie, quoi. Donc c'est top. Les enfants descendaient en chasse-neige, et encore vraiment en chasse-neige glissée, ils n'arrivaient pas à s'arrêter sur la piste verte début de semaine. Là, on arrive à faire des pistes bleues, on arrive à avoir des trajectoires, ils arrivent à passer devant en gérant leur vitesse. Donc là, oui, franchement, il y a une grosse progression pour eux, ouais. Pour couronner le tout, quoi de mieux qu'une remise de médaille pour conclure de la meilleure des manières cette semaine de vacances. Bravo ! Voilà Brune ! Regarde comme elle brille. Hop, je te la mets comme ça. Du coup, on va voir si on arrive à bien skier avec la médaille autour du cou. Hein, une fois la récompense autour du cou, ces skieurs débutants peuvent avoir le sentiment du devoir accompli avant de retrouver les parents. Bah là, je leur laisse juste voir le sourire qu'ils ont avec leur médaille. Les étoiles plein les yeux, et il n'y a que ça quoi, qui donne envie. Quoi. C'est déjà l'heure des au revoir, mais pour certains, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.
Et mercredi, pour le deuxième volet, focus sur le ski tandem, une pratique de ski autrefois réservée aux personnes handicapées et qui se démocratise de plus en plus. Le plus grand aventurier contemporain, Mike Horn, était de passage en Suisse il y a quelques jours à Crans-Montana. L'explorateur résidant aux alentours de Lausanne est aujourd'hui déjà reparti à l'autre bout du monde. Emmanuel Jaude et François Pirou ont pu le rencontrer avant son départ. Il y est question de ses projets et de ses ambitions pour l'année à venir. On l'écoute. Oui, c'est vrai que ma vie au-delà d'où j'habite est vraiment en fait loin de la Suisse. Et puis à ce moment, je suis à Hong Kong, je vais remonter avec mon bateau pour aller en Alaska. Et puis une fois que la glace fondre au nord de l'étroit de Bering, c'est là où je vais rentrer avec mon bateau et puis où je vais essayer de traverser le pôle Nord. C'est le programme pour 2019, avec un petit peu de haute montagne aussi, à ce que j'ai compris. Oui, je veux faire un petit tour au K2, mais côté chinois cette fois, pour essayer de faire cette arête nord qui monte au sommet du K2. Et puis ça, normalement, fin mai, juin, juillet, je suis dans les montagnes du Karakoram. Et puis après, la petite traversée du pôle Nord. Et puis normalement, mois de novembre, décembre, je dois rentrer à la maison. Donc à ce moment-là, on pourra avoir de tes nouvelles pour savoir si tout s'est bien passé ou on pourra te suivre un petit peu en live pendant tes aventures. Oui, c'est toujours intéressant de suivre parce qu'aujourd'hui, je peux plus facilement envoyer des images, des petites vidéos, un peu des fichiers de voix où je partage un peu plus mes expériences avec les autres. Et puis la manière d'amener quelqu'un avec toi sans vraiment physiquement d'amener quelqu'un, c'est de partager. Et puis de partager, c'est les choses les plus faciles à faire aujourd'hui. Ah, c'est un super message en tout cas. Merci de ces quelques mots et de toutes ces explications en tout cas. Et merci beaucoup. Bon courage pour cette année. Merci. Et l'intégralité de cet entretien sera disponible dans le prochain Destination Montagne en diffusion sur Rythme Blanc mercredi 27 février à 19h. Une visite maintenant. Les Genevois attendaient sa réouverture avec impatience. Le chantier de rénovation du Grand Théâtre est enfin terminé. Il a permis notamment la restauration de la partie la plus ancienne de l'institution, des peintures, fresques et planchers qui avaient été cachés lors du chantier de reconstruction de 1960 ont aussi été retrouvés. Jean-Paul Crespi nous emmène dans les coulisses du Grand Théâtre. Trois longues années de travaux d'envergure ont permis au Grand Théâtre de Genève de renouer avec son histoire. Inauguré en 1879, ravagé par un incendie en 1951, l'institution culturelle genevoise devait réouvrir au public en 1962. Avec une salle en palissandre coiffée de la Voie lactée, un plafond de lumière en or, argent et vert de Murano. Mais cette reconstruction a masqué sous des couches de peinture et de plâtre les décors d'origine, de l'avant-foyer et du grand foyer. Aujourd'hui, les escaliers ont retrouvé leur teinte verte, bordeaux et dorée. À l'étage, les travaux ont permis de nettoyer et restaurer murs et plafonds en fonction des traces d'origine découvertes. La salle de spectacle, quant à elle, est restée en l'état. Les personnes qui vont rentrer ici, ils rentreront exactement dans les mêmes conditions que sont rentrés les gens en 1876, date de l'inauguration de cette salle, de ce foyer. Donc voilà, le résultat est là. Ces travaux avaient également pour but de mieux organiser les espaces de travail et d'améliorer le confort des artistes par la création de loges et de vastes espaces de répétition pour le chœur et le ballet. Ce que je retiens le plus, c'est l'attrait des Genevois pour ce bâtiment. C'est impressionnant de voir comme les Genevoises et les Genevois nous demandaient quand est-ce que ça va ouvrir, quand est-ce qu'on pourra le voir, quand est-ce qu'on pourra le visiter. Ça montre à quel point les gens sont attachés à ce bâtiment et à cette maison, à ce qu'elle propose du point de vue artistique, mais aussi en tant qu'édifice ouvert sur la cité. Et ça, c'est vraiment un très bel exemple pour nous. Débuté en 2016, aujourd'hui achevé, les travaux de restauration et de réhabilitation du Grand Théâtre permettent aujourd'hui à l'institution culturelle genevoise de se réinventer une histoire. Et à réouverture exceptionnelle, spectacle exceptionnel, avec l'œuvre lyrique de Richard Wagner, Le Ring. Et pour finir, de belles images du côté des arcs. De belles images signées Phileas Productions, le champion de BMX Flat, Mathias Dandois, s'est fixé le défi d'une performance à plus de 3000 mètres d'altitude. Vous le voyez, il s'est installé
au sommet de l'Aiguille Rouge pour ce tournage, se confrontant à des températures atteignant les 23 degrés. 6 jours de tournage ont été nécessaires pour réaliser ces images. Mathias Dandois a remporté 7 titres de champion du monde de sa discipline. Je vous laisse admirer son travail. C'est la fin de ce JT. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Demain, vous retrouvez Sébastien Germain pour votre journal. Passez une très belle soirée. Victoria, je te laisse conclure.